Bonjour à tous. Une présence pas comme les autres qui lui a évidemment remonté le moral de Nathalie Marcaille. Depuis la disparition tragique de l'homme de sa vie Jean-Pierre Pernaut le 2 mars 2022, l'ancienne reine de beauté est persuadée que son prince charmant lui transmet des signes de l'au-delà. Oui, la preuve n'en est, ce 10 octobre 2022. Très active sur ses réseaux sociaux, Nathalie Marcaille a partagé l'une de ses manifestations divines et sacrées à ses fans. Alors qu'elle était assise dans son canapé, la comédienne a découvert une coccinelle à côté d'elle. Cette petite coccinelle est rentrée chez moi. Elle a fait du chemin pour revenir sur le petit canapé. Eh bien moi, je dis que c'est un petit message de mon amour. J'en suis sûr. A-t-elle écrit avec une certaine émotion. Avant d'ajouter le temps de cette story Instagram, maintenant il ne me reste qu'à faire un petit vœu. Au fil de ses publications éphémères, Nathalie Marcaille est convaincue que le père de ses enfants s'est manifesté par le biais de cet insecte. Les coccinelles sont des signes, a-t-elle ajouté. Ce n'est pas la première fois que l'ancienne reine de beauté évoque l'apparition de ces phénomènes mystiques. Lors d'une interview accordée à nos confrères de Séné Télé-Revue en mai dernier, l'ancienne Miss France est revenue sur l'un de ses signes. Pendant 2 mois, j'ai quitté l'hôpital chaque soir à 21h et la tour Eiffel était éteinte. Le jour où il est mort, en sortant, elle était allumée. Elle scintillait. C'est là qu'on a vu notre premier rendez-vous au restaurant, avait-elle confié avec une certaine nostalgie. Nathalie Marcaille en est donc persuadée. Jean-Pierre Pernaut continue de veiller sur elle au quotidien. Malgré l'absence de son mari, Nathalie Marcaille tente d'avancer. Dès lors, certains signes lui donnent la force d'avancer. Le 28 août dernier, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a été troublée par la ressemblance frappante entre un homme et son époux. Chamboulée, Nathalie Marcaille n'a pu s'empêcher de partager ses clichés sur sa story Instagram. « Incroyable le sosie de mon amour en Égypte », a-t-elle alors commenté sur une première photographie. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.